Relance. Donc, petite précision pour ceux qui débarquent sur la rediffusion, nous sommes toujours sur Murdered, j'arriverai jamais à le prononcer correctement, Soul Suspect, donc un Murdered. jeu de Square Enix, édité par Square Enix, développé par, je sais jamais comment il s'appelle, Airlight Games, qui aurait peut-être pu faire un petit peu du boulot de meilleure qualité, on va dire. Et j'étais en train de passer sur Facebook en même temps parce que ça m'a ouvert la fenêtre, désolé, hop là, et on retourne sur le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette petite larme? Alors, du coup, toujours avec Tintin aussi, hein, je leur précise au cas où. Oui, je suis là, je ne suis pas mort. Pas encore, pas encore. Ça va venir. Ah oui. Qu'est-ce que c'était que cet endroit? Je ne sais pas. Ils appellent ça un hôpital de campagne. Je vous en supplie, sortez-moi d'ici. Les apparences sont trompeuses. C'est un fou. Qui ça? Le docteur Trotter. Comment ça? C'est pas un hôpital? Mais qu'est-ce que c'était alors? C'était un abattoir. J'aimerais t'aider, vraiment. Je suis désolé. Alors par contre, moi, il y a un truc qui me choque. Voilà. Trotter, c'est lui, apparemment. Ou alors c'est un des mecs qui est lié à ce dernier. Mais du coup, lui, il a l'air de venir d'une autre époque quand même, de bien plus loin que elle. Ça me perturbe un peu en fait ce principe-là. Voilà, attends, du coup, je crois l'impression que je suis obligé de monter par ici, puis de retomber après. Est-ce que je peux passer à travers ça? Non, bien sûr. Ah, larve là. Coincé. Je suis de ton côté, je veux juste te poser des questions. Oh. Pourquoi je suis le seul revenant qui peut pas se téléporter? Il faut que je comprenne comment ça marche. Eh ben ça y est, on va débloquer ce pouvoir, enfin! Maintenir LB enfoncé pour faire apparaître une balise. Déplacer la balise avec R, avec le stick droit, relâcher LB pour vous téléporter. Ah, enfin! Ça devient intéressant. Nouveau tatouage de Rose. Et voilà une surprise, Ronan s'est fait faire un nouveau tatouage. Pour une fois, celui-ci n'est ni un symbole de crime ni de violence. Celui-ci est pour moi, pour nous en fait. Deux roses enlacées sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Le plus fou, c'est qu'il l'a fait faire par-dessus le tatouage de sur ses parents. Ah, quoi d'autre à voir par ici? Aidez-moi. Celui-ci délire encore. Je crois qu'il va avoir une autre crise. Réconfortez-le dans la mesure du possible. Ses organes internes sont en train de lâcher. Il en a plus pour longtemps. Toi non plus, je pense. Après, je peux me tromper, mais à première vue, t'iras pas plus loin. Hein. Ah, attends. Du coup, c'est vrai que je suis monté. Mais j'ai fait le schtroumpf là parce que finalement. Est-ce que je peux pas passer par ici vite fait? Si, voilà. Je voulais remonter pour essayer de passer de l'autre côté là où est la fille. En tout cas, elle a une bonne gueule la fille. Graphiquement parlant, au niveau du character design, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Salut chérie. T'as vu comment j'ai appris super vite à utiliser ton pouvoir, hein? Je t'y attendais pas. Apparemment, on va encore avoir un pouvoir, mais je ne suis pas sûr. J'ai envie d'aller voir jusqu'au bout là-bas avant de commencer à descendre. C'est bizarre, cette caisse brille bizarrement. Je vérifie quand même si tout va bien là-bas. Ok. Ah, il y avait forcément un truc à récupérer dans le coin, c'était pas possible autrement. Voilà, on va prendre. Nouveau tatouage de la justice. Un autre tatouage sur son dos, une autre femme abstraite. Celle-là, heureusement. Il représente la justice, portant sa balance. Mais, petite différence, ses yeux ne sont pas bandés. Je lui ai demandé ce que ça signifiait, mais il n'a rien voulu me dire. Je ne peux que supposer qu'une chose qu'il a vécu lui... Non, qu'une chose qu'il a vécu lui a fait réaliser que la justice n'est pas aveugle. Peut-être qu'il finira par m'en parler. Oh, les reflets sur la glace sont tellement bizarres. Ça et en plus, ils bougent. Bonsoir, Kaïba. Plutôt, pour ma part. Fatigué.
Regarde, t'as vu, il y a des reflets bizarres sur la fenêtre, c'est... Ouais, c'est... Bah après, c'est ça, c'est une fenêtre qui n'est pas du monde des humains. Ok. Alors attends, on va redescendre, là j'ai eu... Ah mince, je me demande si j'avais pas oublié de ramasser un... Ah mais non, si, je l'ai ramassé. Je trompe ce nom bête. Hop là, ça je ramasse, du coup... Oh. Remède contre la fièvre, ok. Peut-être que j'aille par là en fait. Voilà, exit. J'aimerais bien savoir quand même s'il y a d'autres lieux que je dois explorer dans la zone. Ah, un phonographe. Si je peux le démarrer ou pas. Je peux essayer. Non, c'est un gramophone. Un gramophone, je sais même pas que ça se disait comme ça, tu vois. Après, c'est peut-être pas la même utilité. Peut-être, ouais. Ouais, non, il est pas là qui va, Cald. Je sais pas ce qu'il fait, il doit être en soirée, je pense, ce soir. Non, je sais pas où qu'ils sont. Enfin, où qu'il est en l'occurrence. Il doit faire des choses. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Comme un lapin. Une seconde, tu veux ? M'arrête de partir. Ouais, comme un lapin. Effectivement, le seul, l'unique des lapins. Oh, c'est sympa ici le décor. Pas extraordinaire techniquement parlant, mais il y a une certaine ambiance. J'aime bien. Au pire, rajoute Yves à la conversation si tu veux. S'il si veut. Bon, bon bah le live va devenir interracial. Chut. Ah bah en même temps t'es roux. Oh, ah, ouais, punaise. Oh. T'as vu la touffe? Yo. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien. On s'endort un petit peu sur le jeu à vrai dire. Oh. Ouais, ils auraient pu apporter un rythme un peu plus intéressant quand même. Ouais, c'est vrai, c'est la même chose depuis tout à l'heure. C'est... Non, c'est pas la même chose, mais y a pas de changement de rythme, quoi. Depuis hier, ça a pas beaucoup changé. Oh shit. Hier, on était sur TF2. Ouais c'est vrai, ouais. Excuse-moi. Avant-hier, ouais. En plus, je pensais quand même bien éclaté sur TF2. Faut se faire ça plus souvent, comme disait quelqu'un sur Facebook. Ouais. Je ne sais plus qui, j'ai oublié le pseudo. Michel. Ah, c'était Kevin. Parce que c'est bien éclaté, ouais, c'est vrai. Sympa. Ah, je peux rentrer jusqu'à là-dedans. Jusqu'à ce que le gars te dise barré, hein. Punaise. Ici Travis, le chasseur du surnaturel. Nous sommes à Salem, Massachusetts. En raison de son histoire sinistre, cette ville grouille de fantômes. Allons-nous rencontrer les esprits tourmentés? Les spectres hurleurs du passé qui hantent encore ce cimetière? Les spectres hurleurs? Sérieusement, Travis? Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Ok, coupez. Dwayne. Combien de fois je dois te dire de ne pas m'interrompre quand ça tourne? Mais tu peux pas dire un truc pareil, mec. Les gens vont se moquer de toi. Tu parles. Mon public aime les sensations fortes. D'accord. Désolé. On la refait. Ok, action. Ici Travis, le chasseur du surnaturel. Nous sommes à Salem. Vous connaissez le passé horrifiant de cette ville, qui est sans doute à l'origine d'une grande activité paranormale. Hein? C'était quoi ça? C'était un phénomène paranormal. Je l'ai entendu aussi. C'est une présence. Un esprit. Eh oh. Cherchez-vous à entrer en contact? Attends, c'est par là maintenant. Superbe, l'ami. J'aime bien. Non, mais je trouve la situation assez loufoque quand même. Ça serait mieux si tu savais de quoi tu parles. Il y a vraiment des gens qui regardent. Le fantôme devant la caméra. Ouais, je savais pas compris au début en fait, mais je trouve ça génial du coup. La situation est bien pensée. Plus déterminé. J'espère qu'il a réussi à voir la lumière de la lune derrière moi. Le mec il sait qu'il fait de la merde. Et l'autre il se marre. En fait quand tu essaies de lui parler tu l'entends rire. C'est bien sympa tout ça. Bon là y'a personne, le suivant il y aura qui? Il n'y a pas de tombeau là? C'est quoi ce vide? Un fantôme. C'est l'endroit idéal pour réviser. Non mais ils ont des questions quand même les gars. Et on voit encore le curseur de ma souris. Merci souris. Une sortie scolaire à mal tourner. Ah ça m'agace parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois il y en a un qui passe à la trappe. Je vais mettre le A quand même.
T'as trouvé un endroit calme pour... Toi, Kevin, tout à l'heure, on a passé quand même une bonne demi-heure dans le commissariat à trouver un flingue. Je vais tuer ces types de la fraternité une fois dehors. Ouais, une demi-heure, façon de parler, on a mis pas mal de temps. T'as jamais pensé à sortir sans qu'on t'autorise ? Quelque chose me dit que ce ne sera pas si difficile. Ah ouais ? Et comment ? Tout à l'heure, en soirée, on a mis une demi-heure à trouver une place. Einstein. Tu trouveras bien tout seul. Qu'est-ce qu'ils sont, schtroumpfs, ces fantômes ? Ouais, c'est ça, le vieux. Au fait, Edge of Tomorrow, il est bien ? Ouais. Ouais. Franchement, j'ai trouvé cool. Tout ceci est loin d'être terminé. Sympa, le principe du film, quoi. Je ne peux m'empêcher de revenir à la vie. Encore et encore. Cassandra Foster, genre, ça n'existe pas en vrai, ça, quand même. De quoi ? Le nom. Faudrait voir. Il y avait des gens par là. Du coup, il va falloir que je réutilise à nouveau mon pouvoir pour passer au travers de ce machin. Superbe. Oh, encore des fichus bidules là. Alors, ils sont où exactement ? Il y en a un là. Ah, ouais. Au final, y a que ça comme ennemi. Ouais, c'est dommage. Ok, donc t'as rien d'autre qui fait flipper. Parce que je trouve qu'ils font flipper, toi, ceux-là. Non. Alors, je ne sais pas si un clin d'œil, mais je sais que dans Les Accusés des Sorcières de Salem, il y a une fille qui s'appelait Anne Foster. Est-ce que c'est voulu ? Je ne sais pas. Bah en fait, je crois que la dame là s'appelle un nom Foster justement. Je crois que c'est Joy et Cassandra Foster. Ouais. Attention. Wow. Le truc qui est con, c'est que ils ont un champ de vision vachement réduit quoi. Tu peux les défoncer assez rapidement, je pense. Ah mais pas quand ils sont en mode comme ça là. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est des trackers quoi, c'est... Ils peuvent pas changer et avoir une évolution, je sais pas, comme les Pokémon. Ah, attends, si je peux essayer de faire une diversion ici, ce serait pas mal. Et aucun des deux ne réagit, tout va bien. Même pendant ça, là, t'arrives à t'endormir avec les démons, quoi, c'est moche. Non, mais quand tu vois leur démarche et tout, ça gonfle. Ils sont bêtes comme des pieds, quoi. Et encore, les pieds s'en sortiraient mieux. Ouais. Ils iront au moins tout droit, ils vont à gauche et à droite. Et leur champ de vision, c'est même pas les yeux, c'est la bouche, quoi. Hein. Des vrais détraqueurs. Quelle bande de cochons, hein. Lui, ah, il a bien failli m'avoir. Là, par contre, l'effet quand il t'aspire, c'est plutôt bien foutu. Là, il va venir me chercher. Aspirer la gueule. Ouais, pas que. Salut, Ogier. Ouais, j'étais en train de dire ton pseudo, j'ai un peu de mal, mais c'est pas grave. Ok, il retourne à sa place, tant mieux. Il ne m'ennuiera plus comme ça. Bon, là, y'a rien de plus à voir, génial. On va essayer de s'arranger pour qu'il ne regarde pas du côté où je suis. Si possible, ce serait pas mal. En fait, faut maintenir la touche d'attaque et ensuite faire simplement le QTE. J'espère quand même qu'ils vont nous mettre des ennemis un peu plus costauds, on va dire. Parce que là, certes, ceux-là sont un petit peu stressant quand il nous repère parce qu'il y a un bruit qui veut que ce soit stressant, mais sinon ça gonfle vite en fait. Oh, mais au niveau du jeu t'as bien avancé ou... Je sais pas. Alors, vous croyez que les sorcières vont arriver en tête cette année ? Pourquoi tu parles de... Ah, tu veux parler de l'équipe ? Ouais, je crois qu'on peut y arriver cette année. Tu passes ton temps à t'entraîner. Ça doit te faire du bien de sortir. Ça doit te changer, non ? Ouais. Ça fait du bien.
J'ai vraiment super froid. Sérieux, Murdered, il serait inspiré de Tayard. Confortable. Oh. What? C'est bien, j'aurais juste discuté. Heureusement qu'elle s'intéresse au football. Mince, ça doit être évident qu'il me plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il fasse le premier pas? Ah là là, c'est joli. Allez, viens là, toi. Plaque commémorative William Pynchon. William Pynchon, 1723-1789, auteur des principales chroniques des mœurs de notre étrange petite ville. Ok, d'accord, si tu veux. On va continuer à avancer. Je vous rappelle qu'il faut toujours trouver la demoiselle Calatresse. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, William Pynchon est une personne qui a vraiment existé à Salem. Il a vraiment écrit des livres. Putain, toi tu fais la recherche en live, toi. Bah moi, c'est bien sur ce genre de jeu parce que c'est vraiment des choses qui sont inspirées d'histoires vraies et Salem, c'est plutôt intéressant comme histoire. Bah moi j'aurais pris le jeu juste pour l'ambiance, quoi. J'en sais pas à tout ce qui aurait été fait autour. Ah, dis-toi que quand tu vois Cassandra Foster, il y a quand même le triangle des Illuminati. C'est vrai que c'est... là ça devient plus intriguant. Eh ben je t'avoue que si c'est eux qui ont fait le jeu, ils auraient peut-être pu faire un peu mieux que ça. Hein. Rex est le casier judiciaire de Ronan. Alors j'ai parlé de Rex de ce qu'il m'a raconté... Non, j'ai parlé à Rex de ce que m'a raconté Ronan, de son passé de criminel. Tout à coup, il a eu l'air inquiet pour Ronan. Il sait à quel point il est difficile de refaire sa vie quand on a un casier judiciaire. Gagner la confiance des autres devient une véritable épreuve, mais avec la meilleure volonté du monde. Ça m'a fait voir Ronan sous un nouveau jour. Il est vraiment déterminé à repartir sur de bonnes bases. Je vais réfléchir sérieusement. Effectivement. Merci pour le lien, Tintin, sur le chat. Oui, Ogier, tu peux désactiver le son du chat en bas à droite. En fait, t'as une icône avec une enceinte. J'ai mal au dos. Alors, voyons voir, on continue par là. Elle arrête pas de se téléporter, ça. Tu pouvais pas t'arrêter un moment et me regarder en face, s'il te plaît? C'est bien, il y a de plus en plus de gens tout autour de moi qui me regardent, qui s'intéressent à mon parcours. Ça, c'est les trous dans le corps, ça, ils savent pas comment ça a été fait. Ils veulent les mêmes. Ah, c'est trop fashion. Ah, je crois qu'on est arrivé au bout, là. C'est vraiment classe. Ou peut-être pas en fait, il y en a encore un peu plus pour là-bas. Vous voyez ce qui est dérangeant aussi, je pense, c'est que vous voyez le temps qu'on reste sur un endroit quand même. C'est impressionnant. Ouais. Alors, plaque de cimetière. Le cimetière d'origine était beaucoup plus modeste que celui qui se trouve ici actuellement. Il servit à deux reprises de zone de quarantaine en raison de sa proximité avec la voie d'eau. La première fois en 1165, afin de contenir la peste bubonique contractée par les immigrants anglais lors de leur traversée de l'Atlantique, puis une deuxième fois en 1904, lorsque les ouvriers du canal de Panama furent frappés par une épidémie de fièvre jaune. Les victimes de ces maladies dévastatrices étaient logées non loin du cimetière, ce qui entraîna son expansion à leur mort. En même temps, fallait s'y attendre. Hein, je me mets pieds dans une saleté. Allez, viens là, toi. Bonhomme. Là, ici, où? Chut. Ah, vais-je enfin pouvoir continuer à lui parler à la miss, là? Enfin, avoir une discussion avec elle, ça serait bien. Ah, ça m'agace. En fait, faut zoomer. Enfin, pas zoomer, faut orienter la caméra correctement pour espérer avoir un résultat avec ça. Sinon, t'as beau tourner autour pendant un bon moment, ça change rien. Je vais quand même aller voir par là, peut-être, avant. Ah non, c'est un truc que je peux pas traverser ça pour le moment, apparemment. Je voulais voir de l'autre côté. Tu ne peux plus partir, tu es à moi. Faisons la mort. Elle m'a l'air un peu jeune, un peu petite, et un peu morte, surtout. Sa bouche, elle a un peu détruite aussi. Oh, putain. Mais non, mais vous êtes mort. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Il lui a taillé une cloche. Au niveau de ses lèvres. Ou c'est un flic qui l'a assassiné plutôt. Mais non. La meuf, elle. Ouais, c'est normal qu'elle parle pas. Elle a un truc au niveau de ses lèvres, mais. Je cherche un mot. C'est glauque. Comme tout le jeu. Découvrir ce que Sophie a essayé de me dire. Il y a un indice. Alors ça va être extrêmement compliqué, je crois. Hein. Oh, 0-2, un indice. Oh, mon dieu. En fait, t'as pas remarqué, tu sais ce qu'elle a sur son bras, la cloche, et la cloche que tu as trouvée tout à l'heure. C'est ce que je disais il y a quelques secondes. Fissure, branche, corde.
Alors, qu'est-ce que je suis censé sélectionner? D'où proviennent ces bruits? On va dire... fissure. Branche. Non, non, c'est la fissure. Oh... J'en étais sûr. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Des morts. Punaise. En fait, c'est un enculé, ce tueur. Pourquoi s'est-il donné tant de mal pour te tuer de cette manière? Ça ira. Tu peux sortir de l'eau maintenant. C'est bon, viens. Je suis de ton côté. Elle ressemble à Chloé, machin chose, là. Chloé Grace Moretz? Ouais. Quelque Sérieux part, un petit peu dans les yeux, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est pire qu'être... Ah non, c'est fou, j'ai lu flou, moi. On me qualifie de caillou, c'est beau. Bon, on va aller attraper le bras, je sens qu'il va se passer un truc. Allez, vas-y. Un contrat? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrat? Mais je plus la main, couillon! Non. C'est le souvenir de ton meurtre. T'es trop jeune, tu devrais pas voir ça. Ha ha, saleté. Bah elle l'a vu. Ah, elle me fait presque de la peine, la gamine. Ouais, j'avoue. Sophie a nié avoir entendu parler d'un mystérieux contrat. Est-ce que le crieur l'interrogeait à ce propos? Et là, tu vois, d'un seul coup, je trouve que ça regagne l'intérêt, quelque part, le jeu. Tu vois, là, ça me plaît. Ouais, c'est intriguant. Putain, elle me rend triste, la meuf. Bonsoir, Konkuro. Bonsoir, Konkuro. Je peux lui attraper le bras, là, ou pas? Ouais, je peux. Je lisais le chat. Je jure que je ne fais rien sur un contrat. Pitié. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Ouais, ça prend de la scène, non? Ah, mais c'est la scène du trailer. Non, ça ne peut pas bouger. Ce symbole. Arrêtez. Il a dessiné sur toi. Son symbole, ça veut dire quelque chose. D'un seul coup, le jeu vient de regagner un intérêt pour moi, là, je trouve. Oh, voilà. Merde. Bon, voilà. Je devrais retourner voir Joy. Ça devient intriguant. Ah, à mon avis... Ah non, c'est bon, je peux le supprimer. Peut-être qu'il y a un raccourci pour revenir, du coup. Est-ce que maintenant, il va pouvoir commencer à se lancer, ou est-ce qu'il va redevenir comme avant? Je ne sais pas. Revenir comme avant, c'est-à-dire? C'est toujours dans le même principe, un peu rythme mou. Non, mais je pense que ça va... Ils ont peut-être trop voulu jouer sur les ce genre de trucs et avoir une période calme après. Mais du coup, c'est chiant, elles sont trop longues, les périodes de calme. Où il se passe que dalle, là. En fait, elle est partout, les réflexions de Julia. Il y en a partout. Je sais pas comment elle a fait pour les disséminer, mais. Ou alors, c'est un truc spécial. Ces maudites cigarettes vont finir par avoir sa peau. Je sais qu'il aime ça, mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui en parler. Je lui ai dit que s'il avait vraiment envie de vieillir avec moi, il essaierait de s'arrêter. Il m'a répondu qu'il avait déjà assez changé pour moi, que ça devait me suffire. Du Ronin tout craché, pas un gramme de tact. Je crois qu'il n'a jamais pensé vivre très vieux. Bonne nuit, Rix. Bonne nuit. Ah, bonne nuit, Rix. Bonne nuit. En même temps, vu ce qui vient de lui arriver, il pourrait pas mourir vieux. Par contre, les gens, arrêtez de dire Ben, ça va me donner faim. Des Ben? S'il vous plaît. Chut. J'ai du Nutella, de toute façon. Je suis armé. Et j'hésiterai pas à m'en servir. Faisons des choses avec le Nutella. Tout seul, si tu veux, ouais. Sur le pain. J'ai pas de pain.
Bon bah sur une saucisse. Il en reste plus que 3. Je pense que je vais aller chercher les autres quand même. Maintenant que je suis en train de. Attends, mets du Nutella sur une saucisse. Bah bien sûr. Oh non, ça lance automatiquement le système. Conan, j'ai entendu des cris. C'est cool. Tu vas bien. Je suis toujours mort. Dis-moi que t'as trouvé quelque chose. Ouais, en effet. Le crieur a noyé ses filles dans le lac puis a laissé le corps dériver dans le courant. Ma mère avait raison. C'est du crieur. Est-ce que t'as trouvé un truc sur ma mère? Un souvenir ou autre chose? Désolé, petite. Et heureusement que t'as pas vu ce qu'il a fait à cette fille, ce type est. Un vrai sadique. Le plus étrange, c'est. C'est qu'il a questionné la petite sur un contrat avant de la tuer. Un contrat? Je ne crois pas avoir lu quelque chose sur un contrat. Attends. Il y a une autre affaire, peut-être une rescapée du crieur. Iris Campbell. Diagnostic schizophrénie paranoïde, délire de persécution, propos incohérents. Sur un contrat. Contrat encore. Et est-ce que ça dit où elle est? Il y a écrit Lux Aeterna. C'est un endroit, ça? Ouais. Lux Aeterna est un hôpital psychiatrique. Oh, ça comme sent bon. Par hasard. Ok, t'es prêt à y aller? Je te rejoindrai. J'ai quelqu'un à voir ici. Oh. Alors, on se retrouve à l'hôpital? Il paraît qu'il y a une super ambiance. Ah bah, je vais voir ça, oui. Oh, je sens que ça va être tellement bon. Ça devient un peu plus intéressant, ouais. Mais il l'expliquait dans le test de JVCom que une fois qu'on commençait à passer du temps avec Joy, c'était mieux. On sera ensemble. 5 heures de jeu. Bientôt ensemble. Bah en fait, je suis pas sûr qu'on puisse compter 5 heures de jeu puisque je passe mon temps à essayer de rechercher les éléments. Donc c'est un peu comme si j'essayais de le faire à 100% quelque part. C'est pas réel. Julia. J'ai de mauvaises nouvelles. T'en fais pas, mec, elle est déjà au courant. Je trouve ça sympa. Mais te barre pas comme ça, mec. Et moi, je fais comment pour explorer le reste du cimetière? Oh, punaise, c'est chiant. Putain, c'est vrai que ouais, ça coupe assez vite, quoi. C'est agaçant. J'ai rêve quand ça fait ça. Quand ça se barre comme ça alors que. J'ai l'impression que ce personnage là, il se barre tout le temps. Quand ça devient intéressant. Bon, attends, du coup, j'ai mon moyen de téléportation maintenant. Mener l'enquête sur une potentielle rescapée du crieur des morts à l'hôpital psychiatrique. Il y avait une survivante d'une agression au crieur, elle détient peut-être des informations. Tu te calmes, doucement. Pourquoi? Je vais trop vite? Je sais pas. Non, je sais pas. J'avais envie. C'est vrai que je lis trop vite généralement. Plus que deux, bonhomme, plus que deux. Je crois que je vais essayer de retourner quand même vite fait au cimetière. Si je peux, parce que j'avais vu qu'il restait un ou deux éléments à récupérer. On vous a pas dit, mais c'est une frappe sur le sens direct en fait. Hein. Non, mais je vois pas trop l'intérêt de. Je sais que je le filmerai pas. Après, vu qu'il est, comme il est gonflant sur les parties. Quoique, à mon avis, il serait moins gonflant si je savais exactement. Je sais pas tout ce qui se passe après. Hein. Mais tu vois, je trouve ça triste, je change de sujet, n'importe quoi, mais quelque part, le fait que le... comment dire... Mr. Freeman, trouve ça triste, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, tant pis, ça me reviendra à un moment ou à un autre, j'espère. En tout cas, c'est sûr, il y a un truc que je trouve triste. Ah si, ça y est, j'ai trouvé, c'est que le fait, ça, enfin moi en tout cas ça me dérange, le fait que les yeux de Joy soient bien plus désagréables que ceux de la fille qu'on vient de voir. Allez. Non, c'est pas normal justement pour moi. Moi tu vois ça... la fille qu'on a eu tout à l'heure, elle me faisait flipper. Il m'en reste encore deux, ils sont où les deux autres?
caché. Attends, ça va plus loin par là. Au niveau de l'histoire, en fait, t'es un flic qui vient de crever et t'essaies de retrouver ton assassin. En quelques mots, c'est ça, oui. Oui, tu dois déjà essayer de trouver la paix, sauf qu'en même temps, tu aides les gens à trouver la paix, donc tu te fais chier quand t'es mort. Ouais, en gros, c'est les enquêtes secondaires, quoi, non ? Ouais, c'est les enquêtes secondaires, et là, je sais qu'il y a peut-être un élément à récupérer, c'est pour ça que je traîne. En gros, ce qui se passe, c'est que là, il y a des histoires glauques à chaque fois qu'on arrive à ramasser un certain nombre d'éléments. Et là, il me reste comme, deux. Le truc de la chevelure, non ? Voilà, et on a trouvé un autre, justement, comme te disait Tintin, là, pour les flingues qu'on a dû chercher. Et il y avait une douze... C'était quoi l'histoire ? En fait, c'est un mec qui disait qu'il avait vu un fantôme, et justement, que le fantôme était un ancien sudiste, je crois, et que personne ne voulait le croire, etc., etc. Et au niveau des SIC que t'avais montré dans le précédent live, tu les avais toutes récupérées ou pas ? Non. Mais je crois qu'il y a une zone que je pouvais pas explorer de la... Effectivement, il y a une zone que je pouvais pas encore explorer de l'église. Donc je pense qu'on y retournerait pas. On y retournera à un moment ou à un autre. Enfin, l'étage, je pouvais pas le voir. Okay. Non, Ogier, si tu ressuscites pas, si tu retrouves ton assassin, tu vas juste trouver la paix, en fait. Après, tu vas peut-être, je sais pas, essayer de faire quelque chose pour le tuer, En fait, ta femme est morte, Julia. Et en fait, quand toi, tu es mort, tu as commencé à... tu as revu ta femme, en gros. Et le truc, c'est que bah, t'aimerais bien rester avec elle en tant que mort, sauf que tu es coincé sur Terre parce que t'as une affaire non résolue. Et affaire non résolue, on pense, à première vue, que c'est l'histoire justement du... Enfin, l'histoire du... Qu'est-ce que je raconte, moi ? On pense, c'est sûr même. Ah, mais non, et peut-être qu'il y a encore autre chose à finir. Va savoir. Ça serait dégueulasse. Ouais. C'est bien, à la fin du jeu, vous avez réussi à trouver ce qui vous tourmentait. Maintenant, aidez les autres à vivre et vous pourrez... Non, non, je pensais pas à ça. Mais non, je pense pas à ça, mais moi je pense que là, s'ils font une fin où en fait tu peux pas retrouver la paix, ce serait vachement gênant, quoi. Non, je pense pas non plus, tu vois, mais je voterais plus pour une option du genre, c'est pas ton enquête que tu devais terminer, c'est pas l'enquête que tu devais terminer, il y avait encore autre chose à faire. Parce qu'on parle beaucoup de la vie de Ronan depuis le début, en fait, ouais. Et je me dis qu'il a autre chose à faire, en fait, quelque chose de se pardonner, peut-être, ou je sais pas, ou un truc dans le genre, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être plus que ce qu'on croit, en fait. Et j'arriverai pas à trouver cette dernière plaque, hein. Dommage. Je crois que j'avais prévu le tour partout. Et je n'en vois pas. Il est bientôt minuit, tiens. Ah ouais ? Ouais. Mais j'ai quand même faire durer encore à peu près, le temps que ça se termine, le truc. Histoire ça d'avoir une vidéo 48. Non, non. Oublie ça, tout de suite. Maintenant. Il fallait pas passer le lien. C'est pas moi qui ai passé le lien. C'est Flector hier. Moi j'en ai passé un autre parce que ça faisait partie du truc. C'est vrai et faux. Faut remettre les choses à leur place, je suis désolé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc à J'aurais atteindre J'aurais pas dû cliquer. Hein. Ah bah ta copine avait jalouse. Ouais, c'est que du 2048, il n'y a pas... Oui, voilà. Ah bah le fait que tu saches compter pas elle, bah c'est déjà quelque chose de très grave. Oh. Bah compter jusqu'à longtemps, c'est pas bien compliqué. Hein. Ouais, bah compter jusqu'à 2048, c'est dur aussi. Hein. Ça dépend comment tu les comptes. Ouais, c'est sûr. Hein. Si tu comptes par paire, c'est pas problématique. Rien de plus ici, c'est super. J'aimerais bien quand même le trouver, les derniers machins, là. Oh, les gens, on vous dit tout à l'heure à 6h quand on aura retrouvé le prochain truc. Ouais, mais comme je te dis, en fait, je surveille parce que je regarde le nombre de frames de qui ont été enregistrés. Et là, il m'annonce que c'est ça. On est à 50 000. Le chasseur du surnaturel. Ouais, et... Ça. Et généralement, j'essaie de m'arrêter vers les 60, 70 ou 80 000, tu vois. Histoire d'avoir une vidéo qui est pas trop courte non plus, quoi, à la rediffusion. Toujours rien, superbe. Là, c'est le pauvre. On programme un petit sommeil. On se programme un petit sommeil là en attendant. Un petit quoi ? Un petit somme. C'est-à-dire ? Ah oui.
l'ai commencé depuis tout à l'heure. J'avais compris. Hein. C'est dégueulasse. Non, réaliste. Dégueulasse. Je vais sortir. Finaise. Où est-ce qu'il est ce dernier machin là? Au fait, j'ai pas eu de coup de téléphone là de mon boulot, Kevin. Encore. Enfin, de mon boulot. Ils sont lourds les gens. Dommage. Pourrait t'appeler quand même. Je les ai appelés hier et ils m'ont dit le responsable avait pas fait encore planning, donc je vais la harceler toute la semaine prochaine. Sérieux? Parce que si je sais qu'il me prend, bah c'est cool, s'il me prend pas, bah je viens scotter chez toi direct, t'as pas le bac. Waouh! Direct comme ça. Tu t'invites. CV, moi. Bah non, c'était prévu. Non, mais tu t'invites là, comme ça. Bah écoute, ouais. J'ai envie de manger correct, je vais chez lui. Hein. Et puis j'ai un Canon 600D à récupérer, bordel. Hein, quoi? Attends, je suis en train de me demander si. J'avais exploré cet endroit. Bah, apparemment, oui, je l'avais exploré. C'est déjà, je pense. Ah non, je crois que j'avais continué par là. Et c'est par là que j'y suis pas passé. Ouais, cette zone-là, je l'ai pas faite. Tadam! Putain, c'est parti pour une autre histoire glauque. Pas du tout, ouais. Voilà, plus qu'un. Il est juste à côté, le dernier. Il est là. Alors, voyons voir l'histoire. J'étais kleptomane depuis toujours. Pas par paresse ou je ne sais quoi, non. C'était plutôt... par ennui. Les objets volés m'ont toujours paru plus attrayants. Il me suffisait de les regarder pour revivre l'excitation du vol. Parfois, j'avais peur de me faire arrêter. D'autres fois, j'avais de vraies bouffées d'adrénaline. Et jusqu'à mon dernier vol, j'ignorais le sens du mot « terreur ». Je m'en souviens comme si c'était hier, malgré des années passées à essayer de l'oublier. Avec un groupe d'amis, on était allés au cimetière pour y boire quelques bières, comme on le faisait parfois quand on n'avait rien de passionnant à faire. On avait l'intention d'aller à l'endroit habituel, à un vieux mausolée en ruine. Mais cette fois, l'entrée était verrouillée. Quelqu'un s'était donc enfin intéressé aux morts et n'avait pas apprécié qu'on le dérange. Alors on a décidé de se séparer pour trouver un autre endroit. J'ai fini par tomber sur un autre mausolée. Un des murs commençait à s'effondrer, mais j'ai réussi à me faufiler. L'intérieur ressemblait à tous les intérieurs de mausolées, à l'exception d'une chose. Sur le tombeau central, dans une vitrine poussiéreuse, il y avait une couronne mortuaire très travaillée, fabriquée à partir d'une sorte de corde fine. Ça avait l'air d'avoir de la valeur, alors, évidemment, je n'ai pas pu résister. J'avais l'intention de laisser s'écouler une semaine avant de la vendre, au cas où quelqu'un signalerait le vol. Dès que je suis rentrée chez moi, je l'ai mise en haut de mon armoire avant d'aller me coucher. Cette nuit-là, j'ai fait d'horribles cauchemars, hantée par le visage livide et décomposé d'une vieille femme. J'ai eu beau me réveiller plusieurs fois, tremblante de peur. Dès que je replongeais dans le sommeil, elle était là, encore et encore. Elle est revenue les nuits suivantes, plus terrifiante que jamais. Chaque fois que je me réveillais, mon crâne était en sang et j'avais perdu des poignées de cheveux. J'attribuais ces réactions à mon anxiété et mon sentiment de culpabilité d'avoir volé dans le cimetière. J'avais l'intention d'aller vendre la couronne dès le lendemain, chez un antiquaire, après quoi tout serait terminé. Mes os se sont glacés lorsque l'antiquaire m'a expliqué que la couronne n'était pas du tout comme je l'imaginais, tressée de cordes. Il s'agissait en réalité de cheveux humains, prélevés sur un être cher après sa mort, comme le voulait une coutume de la fin du 19e siècle. Salut Sophie!
Je voulais que le cauchemar s'arrête. Je la lui ai vendue. Je me trompais. Les cauchemars ont continué. Cette nuit-là. Et toutes les suivantes. Depuis, je passe mon temps à chercher la couronne qui a été revendue. Pour pouvoir la remettre en place. Et tout finir en paix. Le jeu est pas chiant si tu fais autre chose en même temps. C'est vrai que cette histoire était pas des plus intéressantes, hein. On a vu mieux. Ouais. Voilà, c'était au moins 10 minutes de somme. On peut reprendre. Ouais, et ben moi je suis sûr que cet endroit grouille de sorcières et de fantômes. Tu n'as rien à craindre, mon petit. La Kirama. Okay, deux t-shirts discutent. Sakai ici, on se croirait au pull nord. Ouais. C'est vachement un lieu sympa pour se rencontrer les cimetières quand même. Hein. Cette soirée, ça nous fait. Pas de doute. Ah bah que veux-tu, hein. Y'a des gens qui s'aiment ça. Eh bah écoute, ça reste leur problème. Je ne veux pas me sentir concerné. Bon, maintenant qu'on l'a trouvé, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'asile. Quoi qu'il reste encore deux ou trois éléments à trouver à droite à gauche. Outlast. Outlast. Ok. C'est rien, il a des retours depuis qu'il a filmé le jeu. J'ai des spasmes. On a fait ce qu'on pouvait pour essayer de le soigner, mais le résultat est toujours le même. Ça fait des mois que ça dure. On n'en peut plus. Aidez-le. Il a essayé de me couper les parties, mais il n'a pas réussi. Je l'ai tué bien avant. Mais t'as pas suivi Outlast aussi. Hein. Moi, ouais, j'ai pas encore fini de regarder l'extension. Chut. What the fuck? Arrête de faire des jeux d'horreur, toi. Ah, mais c'est pas moi, là. C'était pas moi, là. C'était E.T. Sérieux? Tu t'es fait avoir comme un bleu. Ah, mais moi, j'ai rien fait. Non, c'était ta bouche. Ouh. Non. Tu sais ce qu'elle fait, sa bouche. Oh. Chut. Ne révèle pas tout. Elle mange des schtroumpfs. J'en ai plus. Le pétage du câble. Ah, je commence à avoir super chaud, c'est affreux. Ah, mais il fait chaud, ouais. Ah. Oh, c'est quoi, je suis dans un sauna. Je suis dans un sauna, là. Tout ça, WP. C'est déjà fait. Bravo. Chut. Personne ne sait rien. Personne n'a rien entendu, oui, je confirme. Personne ne voit surtout. Vas-y, lance une conversation vidéo. C'est pas quoi possible. Tu peux pas rajouter nos caméras. Quoi? Si, je peux. Non. Oh, vas-y. Non. Non, mais je suis en t-shirt, hein. Eh oh, faut pas avoir peur. Oh, t'attends un t-shirt, hein, la bonne blague. Connard. Alors, attends. Trimballé avec. Ça, j'avais déjà ramassé. Il y en a encore deux qui font que je ramasse. Ouvre la porte parce que Jackson. Je sais que quelque part par là, là-bas. Maintenant que je peux me téléporter, je peux sûrement atteindre des zones que je pouvais pas avoir avant. Donc mon pouvoir devient intéressant. Là, quel par exemple, est le sport le plus fruité? La boxe, parce que quand on te met une pêche dans la poire, tu tombes dans les pommes, t'as pas intérêt à ramener ta fraise, et tout ça pour des prunes. Donc, l'absence de... l'adolescence de Ronan. L'adolescence est une période difficile pour tout le monde, et pour Ronan en particulier, quand il parle de cette époque, son visage se voile, il baisse les yeux comme s'il avait peur que le jeu le juge. Il a honte de ce qu'il s'est passé au cours de ses années, au lycée et avec les jeunes de son âge. Mais l'entendre me parler de ces moments difficiles ne fait que grandir mon amour pour lui. C'est un bad boy. C'est mignon. Essuie tout dit, un papier cul. Essuie tout dit. Ça va bien toi aujourd'hui? Le papier cul dit non, toujours dans la merde. Putain, Pyro, mais va cramer, je sais pas. Bon bah ça c'est fait. Il m'en reste plus qu'un et je reobtiendrai l'histoire glauque de la ville avec le gaz. Bon, écoute.
Super, tu te balades d'une zone à une autre et tu remarques en fait ça sert à rien. Ok. Merci. Y a rien de plus, c'est sûr, à voir ici. Je trouve ça triste. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y aura dans le... Dans le... Ah, comment on appelle ça? L'asile. Ouais. Merci. C'est psychiatrique. Ça les connaît. Bon, j'arrête. Ah bah oui, dans l'Atlas, putain, ouais. Enfin, bravo, Kaiva, tu viens de capter. Ah, j'y pensais même plus, tu vois. Je sais que le décalage du pays, c'est pas trop ça. Non, c'était pas le décalage, c'était la flotte. Oh là là, ça c'était petit. Pourquoi les Pokémon ne peuvent pas conduire? Parce qu'ils ont trop de PV. Oh putain! Y'a des secours. Trucs, hein! Sortez-moi de là! Ah bah c'est pas moi, hein. C'est, je lis que le chat là pour l'instant. Oh là là, de vampire, est-ce que tu veux un peu d'hémoglobine? Non merci, je suis au régime. Tu peux y aller, c'est du 0%. Oh! Sérieux? A chaque fois, tu vas nous faire. Kikeva? Ouais, il aime ça. Je le savais. Attends, moi je cherche le dernier truc là qui me reste. Il y a un dernier bidule qu'il faut que je trouve. Comme ça, après je l'aurais eu. un machin. Ah, je crois que. Non, peut-être pas. Le truc de flamme là? Bah oui. Attends, il y a une porte ici, je pourrais la supprimer normalement. Non, je peux pas apparemment. C'est peut-être derrière ça en fait. Oh, il y a des trucs dans le chat. Docteur, je ne sais plus ce que je dis. Et vous avez ce problème depuis quand? Quel problème? Ouais, oh, Saria, ça, tu tombes pas là. Et je trompe, c'était juste pour ça. Alors, signification du tatouage de dollar. C'est un sentiment étrange que d'être avec un homme dont la vie est illustrée sur sa peau. J'ai effleuré du bout des doigts un symbole de dollar entouré de flammes. Je n'avais aucune idée de sa signification. Il m'a expliqué que son père lui avait fait la première fois qu'il a volé de l'argent. Okay. Pour fêter ça, pour être honnête, j'ai été choqué de l'entendre confesser un crime. Mais au moins, il ne se voile pas la face. Nous avons un problème de train là, ici. Il n'y a rien de plus sérieux là. J'espère en avoir plus. Je vois des gens qui sont morts. Putain, le mec aurait trop la classe avec un flingue dans la main là. Ouais. Plaque de la fontaine. Cette fontaine a été construite avec l'espoir de faire la ville de Salem un havre de paix et de sérénité. J'ai pas eu le temps de lire la fin parce que j'ai coupé trop vite. Bravo moi. Je continue à chercher. Y'a rien par là. Tu peux pas encore aller par là, d'accord, ok, donc ce sera pour plus tard à mon avis. Je cherche le dernier élément. Il était dans une des baraques au bout de l'autre niveau là. Ça c'est les flics, on avait déjà fait le tour du truc des flics. Il aurait juste un, ce serait dommage de passer à côté. C'est vrai qu'on perd du temps mais bon. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? T'as de ces trucs dans le chat? J'arrive pas à tout lire donc. Et pour la plupart, je les connais donc. Qu'est-ce que vous transportez? 6000 huîtres. Ouvrez-les toutes. Oh, putain. Deux petits garçons discutent. Moi j'adore la barbe à papa. Ah merde, putain. Le chat s'est remonté. Oh, ok, Kev, t'arrêtes de lire parce que tu ne sais pas lire. Chut. C'est toi le chute. C'est à croire qu'il y a un machin derrière. À l'école, le maître rend les copies et prend à part l'un de ses élèves. Allez, mon petit Stéphane, avoue que ton père t'a aidé à faire ce devoir. Pas du tout, monsieur, je vous le jure. C'est bien vrai, tu es sûr? Oui, j'en suis sûr, il l'a fait tout seul. Il y a un ballon de foot coincé dans un mur, c'est génial. Ah, ça je l'avais pas vu. Ah, attendez. Voilà. Plaque de la maison de jugement. Connue sous le nom de maison de jugement, ce lieu était la résidence du juge John Attorney.
Celui-ci tenait audience de son propre salon et gardait l'accusé emprisonné dans sa cave, comme c'était à la coutume à l'époque coloniale. Son rôle regrettable au cours du procès des sorcières de 1692 a sali son nom à jamais. Il n'y a rien par là. Ok, donc pour l'instant, je ne peux pas y aller non plus ici. Ah, donc effectivement, t'avais raison, au fur et à mesure, il risque d'y avoir une histoire de sorcière quand même. Hein. Bah oui. Ouais, mais moi, j'ai pas calculé, tu vois, Salem, ça me disait rien. Salem. Et rien de plus ici. Bon, il est où le dernier Gus, là? Caché. Steak. Oh, punaise. Un jour, Chuck Norris a plongé dans la mer Rouge. Moïse en a profité pour passer. Ah, encore un chat. Encore un chat. Bah, c'est peut-être son cousin parce qu'il lui ressemble un peu beaucoup. Hein. Tu veux dire que le chat ressemble beaucoup aux autres? En fait, il n'y a qu'un seul modèle de chat. Ils peuvent pas s'accoupler avec des différentes... C'est un chat de sorcière, en fait, tu l'avais pas compris? Si, si. C'est bon. Miaulé. Où est-ce que ça va m'amener tout ça? Miaou. Ça magnon tout ça peut-être moi le magnon. Ah! Aurais-je trouvé le dernier machin? Oui! Ça y est! Alors voyons voir. On n'a jamais vu ces malheureux sur le rebord de la route. Et c'est parti pour une histoire de 15-20 minutes. S'accrochant à leurs écriteaux en carton. Parfois ils ont des accessoires. Une poussette, un animal de compagnie, un bidon d'essence. N'importe quoi qui puisse contribuer à apporter une once de crédibilité au fait qu'il mendie pour autre chose que s'enivrer. Moi, c'était un homme qui tenait un écriteau besoin d'essence, avec un bidon rouge posé par terre à côté de lui, que j'ai croisé sur la route de Salem il y a 6 malheureuses années. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'étais arrêté à un feu rouge. Et la situation devenait un peu gênante. Alors j'ai plongé ma main dans ma poche et j'en ai ressorti $2 en baissant ma vitre au minimum. Je lui ai dit « Voilà mon pote » en poussant les billets à travers l'ouverture de la fenêtre. C'est à ce moment-là que j'ai vu son visage pour la première fois. Ou ce qu'il en restait. Il me fixait de son œil unique et exorbité. Son crâne n'était plus qu'une masse carbonisée. J'étais tétanisée par la peur, jusqu'à ce qu'il étire ses os noircis vers les billets. Je l'ai lâché immédiatement en appuyant sur l'accélérateur sans me soucier une seconde que le feu soit toujours au rouge. Depuis, j'ai reconstitué la légende. Il fut un temps où l'on voyait souvent à Salem un vétéran atteint de psychose traumatique, alcoolique et sans avenir professionnel, mendier aux abords de la route. Les citoyens cessèrent de lui faire l'aumône, pensant qu'il quitterait la région pour une métropole. Sa réaction provoqua l'une des expériences les plus traumatisantes de l'histoire de la ville. Il s'immola par le feu, en plein centre de Salem, à l'heure de pointe. Depuis cette rencontre, je ne cesse d'apercevoir deux petites étincelles oranges à la limite de mon champ de vision, qui disparaissent aussitôt que je tourne la tête, accompagnées de frissons nauséeux. Ce spectre tourmenté s'est-il mis en tête de me suivre? J'ignore si sa présence est bénéfique ou non. Tout ce que je veux, c'est mettre autant de distance que possible entre moi et ce fantôme répugnant. Mouais, eh ben elle était mieux la toute première histoire du chauffe-eau. C'est glauque quand même. C'est glauque quand même, tu vois, mais est-ce que je peux tuer le chat? Sot? Oh punaise, me dis pas que je suis obligé de redescendre. Arrête, tu fais comment pour partir? Oh bah chemin inverse. Ouais, j'aimerais bien, mais ça veut pas. Ah merde. Ah si, c'est bon. Voilà. Ouais, je fais comment pour partir, moi, après? Sachant que là, ça veut pas passer à travers le décor. Non. Ils ont comment pas prévu de porte de sortie. Se faire défoncer par un jeu. Si, tout est sur la plante.
Non mais j'essaie d'aller de tous les côtés, ça veut pas. Vas-y, reste de sauter sur le carton, et puis de descendre. En fait, ils ont mis une... Justement, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, je peux pas. Déjà, faut que j'arrive à monter, ça serait bien. Oh, punaise. Ah bah, pff, ok, tout va bien, il voulait pas te passer tout à l'heure, maintenant il veut. Tout va bien. Bon, maintenant je vais aller à l'asile, et après on s'arrêtera. Parce qu'effectivement, on a atteint les 80 000 frames. Ça va vite, hein? Très. Bah, arrête, t'as envie de dormir. Non, mais arrête de croire, là. Oh, je sais tenir éveillé toute une nuit, moi, s'il faut. C'est sûr. Si, si. Un petit sédatif. Sédatif, je l'emmerde. J'ai tout de même du mal à y croire. Je suis d'accord avec toi. C'est qui a le plus dormi à la CNU? C'est vous. Qui c'est qui a le plus conduit? C'est moi. Qui c'est qui s'est le plus senti mal à l'aller? C'est moi. J'ai jamais été aussi mal de ma vie en voiture, j'ai jamais... Oh, c'est affreux. Ouais, t'as de la chance. Non. Direct, putain, mais... On voit les références du mec, hein, je sais pas, t'aimes Two Girls One Cup à ce point ou quoi. Chut, ne donne pas de telles références. Tu fais peur. Les enfants n'allaient pas sur ce site, s'il vous plaît. Je vous fallait pas dire ça. L'hôpital psychique. Quoi? Ça fait l'effet inverse. Le seul endroit où... Oui, je sais, mais c'est le principe. Comme un traitement. Si leur méthode parvient à rétablir la santé mentale d'un patient, il vaut mieux pour eux qu'ils ne gardent aucun souvenir. Là, par contre, j'ai hâte de voir l'ambiance qu'il y a dans cet asile. Mais on va s'arrêter là. Mais, ah oui, c'est vrai, chier. Voilà, on est sorti du cimetière. Ouf. Oui, pour aller chez les dingues. Quel progrès. Là, je sens que ça peut être super intéressant. L'endroit où finissent tous ceux comme moi, ceux qui voient l'invisible. T'es pas folle à ce point, allez bien. Ok, je vais t'aider à entrer, mais je... Ouais, c'est rien, ça, toujours plus loin. Une ambiance de dingue. Si quelqu'un doit interroger Alice à propos du contrat, il vaut mieux que ce soit fait par une personne vivante, non? Oublie pas que c'est moi qui t'ouvre les portes, gros malin. Ouais, ouais. Bon, petite. À toi. Et débrouille-toi pour avoir le numéro de la chambre d'Iris. Il y a vraiment un défaut dans ses yeux. Bonjour. Vous pouvez m'aider? Je cherche une amie. Les visites sont terminées. D'accord, mais elle était avec la police. Alors adresse-toi à la police. Je l'ai fait et ils ont dit qu'elle représentait un danger pour elle-même. Je ne peux rien pour toi. Très bien. Continue de lui parler, on doit absolument trouver son point faible. Peut-être qu'en regardant sur son bureau... Ouais, mais on va s'arrêter là, comme je disais. Il s'agit très certainement d'un homme de grande taille et de carrure imposante. Quelqu'un qui est habitué à la violence et dont le passé a été tellement traumatisant qu'il ne sait plus très bien aujourd'hui qui il est. Je sens que ça va être très intéressant comme visite. La mère de Joy est d'avis que la démence du tueur est bien plus grave que celle de la plupart des fous. C'est quoi ça? J'ai dit que je m'arrêtais, hein. On va juste lire ça et on s'arrête. T'es sûr? Sûr. Article de journal à ce scandale 1. Un mort étrange à l'hôpital psychiatrique Luxater Aeterna pourrait être lié de la série de meurtres qui a récemment frappé Salem. Notre source confirme le décès d'une patiente du service psychiatrique. Celle-ci aurait été retrouvée étranglée avec une ceinture de peignoir. Cet indice pourrait bien être le premier des meurtres à être commis dans une zone sous surveillance. Maintenant, plus personne n'est en sécurité. Affirme une résidente sous le choc après avoir discuté avec un témoin. Il paraît que les murs de sa cellule étaient recouverts de dessins bizarres, dont le symbole du cloche. C'est lui, j'en suis sûr.
Il nous manque un truc apparemment sur les tatouages. Ah non. Ah non, c'est la mission. Ah non, je sais pas. 26 sur 38, 24 sur 39, 2 sur 2, 2 sur 2, 4 sur 6, 2 sur 23, 5 sur 8. Bref. J'essaie de regarder. Objectif actuel, découvrir le point faible de la réception, on s'en fiche. Il me manquait un indice apparemment pour ça. 10 sur 11. Bref, on va s'arrêter là. Bon, en tout cas, j'étais ravi de vous revoir, enfin vous revoir façon de parler pour ce petit live. Merci encore une fois à toi Tintin et toi Kaïva pour m'avoir accompagné en audio. Y'a pas de soucis, hein. On règle ça par nature après. Et les machins à voir partout, je veux aller les voir. Mais ce sera pour un prochain live. Je rappelle que demain soir, c'est Tintin qui passe en live, si j'ai bien compris. Oui, sur Sniper Elite V2, peut-être qu'on ira sur un autre jeu par la suite. Voilà, qui je rappelle était gratuit ces quelques jours, ces derniers jours, enfin non, sur une journée, je ne sais plus. Il était gratuit un jour, il était gratuit que hier ou avant-hier, me semble. Ouais, non, genre, désolé, là il est temps qu'on aille se coucher, effectivement. Bref, j'espère que vous avez passé une agréable 48. Soirée. Non, non, tu peux y aller toi, mais moi je pense que je vais aller faire ma gym, aller me coucher. Encore, je suis même pas sûr d'aller faire la gym, on verra bien. Bref. Je vous souhaite une agréable nuit pour ce qu'il en reste, c'est vrai qu'il est quand même minuit 24, donc ça promet être un petit peu long. Bref, allez. A ciao tout le monde, n'oubliez pas le live de Tintin demain soir. 21h. Bisous, bisous tout le monde, je vous aime. Salut. Ciao.